Ça va? Comment allez-vous? Ça va ton père? Ça va ta mère? Ça va la famille? Ah oui, vous venez de fêter un chou là. C'est très très bien. Et qu'est-ce que vous avez préparé? Du poulet rôti avec des fruits secs. Ça va faire très bon. Et des œufs bien décorés. Ben oui, hein, c'est le début de l'année. Hein. Et est-ce que vous savez ce que c'est un chou là? Non. Donc vous savez pas ce que c'est Ashura. Alors aujourd'hui la vidéo sera consacrée à vous expliquer ce que c'est la fête de Ashura dans la tradition islamique. Alors c'est quoi Ashura? C'est le 10e jour du premier mois du calendrier islamique, le mois Muharram qui veut dire le mois sacré. Ashura, ça vient du mot Ashara qui veut dire 10 en arabe. C'est un jour où il est conseillé de jeûner car sa récompense est énorme. Alors, l'origine de Ashura remonte à une tradition juive. En effet, en l'an 622, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croisa à Médine un groupe de juifs qui jeûnaient et qui ne travaillaient pas. Alors, il leur demanda les raisons pour lesquelles ils jeûnaient. Alors, ils répondirent que c'était pour Allah qui a sauvé Moïse de Pharaon. Alors, le prophète a dit, nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que... Alors ça veut dire que la religion islamique, l'islam, se met en continuité avec la religion juive, donc elle s'inspire de quelques traditions et elle reprend en fait cette tradition pour se mettre en continuité et pour juste pour montrer que cette religion n'est pas dans la rupture, elle est dans le prolongement. Alors donc, un prolongement, ça veut dire que cette religion, elle est dans le prolongement, dans la continuité et dans la complémentarité. Donc cette religion, elle reprend la même croyance, puisque c'est le même Dieu qui envoie le message avec par le moyen de plusieurs messagers, plusieurs prophètes. Donc on peut pas être dans la rupture parce qu'on a le même Dieu qui envoie le même message. Alors donc c'est pour dire que cette fête Ashura, c'est une fête commune aux juifs et aux musulmans. Et pour dire aussi que c'est une manière aussi pour le prophète d'encourager les musulmans de vivre ensemble avec les juifs. Vous savez, le vivre ensemble, c'est pas une notion contemporaine inventée aujourd'hui, c'est une valeur qui remonte même à l'islam. Donc c'est une valeur islamique, ça veut dire encourager les gens à vivre ensemble, à partager les mêmes traditions. Et bien sûr, lorsque les musulmans jeûnent Ashura avec les juifs, ça fait comme un effet très important, ça crée de la cohésion sociale au sein de Médine. Et juste pour vous dire aussi que l'islam, contrairement à ceux qui soutiennent la thèse du choc des civilisations, l'islam, il est dans la continuité, il est dans le prolongement, il est dans la complémentarité, bien sûr, il est dans l'innovation aussi, parce qu'il rajoute, on rajoute d'autres rituels, d'autres pratiques religieuses qui sont là pour améliorer améliorer cette relation entre Dieu et l'être humain. Et donc voilà, donc c'est vraiment une tradition commune aux musulmans et aux juifs. Alors il faut savoir aussi que le jour de Ashura célèbre la victoire de Moïse sur Pharaon. C'est le jour où Pharaon meurt, noyé sous les vagues de la mer Rouge. Et Moïse va donc traverse la mer Rouge avec son peuple. Alors comment ça se passe? Donc Moïse est menacé par l'armée de Pharaon, donc Moïse prend la fuite, et bien sûr il ne prend pas seul la fuite, il va prendre avec lui son peuple, son groupe qui a cru dans sa prophétie. Et après, donc, ils arrivent devant la mer Rouge, donc derrière il y a l'armée de Pharaon, et devant il y a la mer Rouge. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est donc une situation horrible. Et bien sûr, est-ce que Moïse a perdu espoir? Est-ce que Moïse
il s'est dit c'est fini, on va mourir ici. Ben non, il a toujours espéré une intervention divine et qui va accomplir le miracle. Donc Dieu dit à Moïse, frappez la mer par votre bâton. Et voilà, donc il frappe la mer et la mer qui se fond en 12 chemins et avec des vagues sous forme de montagne. Donc vous vous rendez compte, c'est incroyable, mais ça pourrait se faire lorsqu'on a, on a la foi. Si on a beaucoup de foi, si on a vraiment la foi, ben, des miracles pourront s'accomplir. À ce moment-là, donc, Moïse est parti avec son peuple, il a traversé la mer Rouge, et bien sûr, Pharaon arrive, et au moment où il entre dans la mer, puisqu'il y a 12 voies, ben, au moment où il entre dans la mer avec son armée, et Dieu attend jusqu'au dernier soldat qui entre dans la mer, ben, la mer se referme sur elle-même, et Pharaon et toute son armée meurent noyés. Donc voilà, donc c'est l'histoire qui est magnifique, hein. L'histoire c'est la victoire de la justice contre la tyrannie, contre l'oppression. Vous savez, Pharaon se considérait comme un dieu. Il disait « Ana rabbukum al-a'la », ça veut dire « moi je suis votre dieu supérieur ». Donc il n'y a que moi qui existe sur cette terre. Donc en fait c'est un homme très arrogant, il se considérait comme un dieu et du coup vous voyez Dieu, Allah, il lui a dit maintenant vous avez votre châtiment parce que... Dans la tradition islamique, le jour de Ashura est un jour de deuil, notamment pour les musulmans chiites. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où l'imam Al-Hussein, le petit-fils du prophète, est sauvagement assassiné par l'armée envoyée par le roi Omayyad Yazid. Alors, donc, c'était un jour de grande tristesse, toute la ville de Karbala, donc c'est le combat de la ville de Karbala, pour défendre l'imam Hussein, mais finalement l'imam Hussein sera décapité sauvagement par l'armée barbare de Yazid. Alors c'est un jour bien sûr mémorable, donc les chiites le célèbrent tous les ans, donc le deuil commence le 10e jour du mois de Muharram et il reste 40 jours en deuil. L'assassiné. Alors c'est un jour de deuil parce que c'est la mort de l'imam Hussein, et c'est un jour de deuil également parce que c'est le jour où les musulmans vont se diviser en deux camps, les sunnites et les chiites. Donc jusqu'à présent, les musulmans sont dans les deux camps, chiites et sunnites, et quand même c'est un jour très important parce que c'est le jour où il y a eu le schisme, ça veut dire la séparation du dogme en deux groupes. Alors donc l'histoire dit, lorsque la tête de Yazid, enfin excusez-moi, la tête de l'imam Hussein a été apportée à Yazid, c'était en présence d'une délégation romaine, donc de Byzance, et dans cette délégation il y avait un père chrétien. Alors le père chrétien était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans le sac qui a été transporté devant Yazid, et le père chrétien lui demanda à qui appartient cette tête. Yazid au départ n'a pas voulu lui répondre parce qu'il était quand même c'était une personnalité très très importante. Il lui a dit ce n'est pas important, c'est pas votre affaire. Alors le père chrétien insista. Il a dit c'est très important pour moi parce que je dois rapporter toutes les nouvelles au roi de Byzance. Alors à ce moment-là, Yazid lui a dit ben, c'est la tête de l'imam Hussein. Le père chrétien était choqué. Il lui a dit l'imam Hussein, le fils de Fatima,
Il lui a dit, oui, le petit-fils du prophète, de votre prophète. Il lui a dit, oui. Bah, il a dit, vraiment, vraiment, ma religion chrétienne est la meilleure. Alors il a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que nous, les chrétiens, on traverse des contrées, on traverse des milliers de kilomètres pour arriver à Jérusalem et pour chercher les traces même de l'âne qui a transporté Jésus. Et vous, vous tuez le petit-fils du prophète? Alors à ce moment-là, Yazid, il était très étonné, il était très, très gêné. Et ils se sont scandalisés, quoi. Ils se sont très gênés moralement et politiquement. Il lui a dit, il était vraiment gêné, même très en colère. Et il a demandé tout de suite sa mise à mort. Il a demandé la mise à mort du père chrétien. Alors le père chrétien, il pouvait rien faire. Et il a dit à Yazid, vous êtes finalement décidé à me tuer? Il lui a dit, oui, vous serez décapité dans quelques minutes. Alors le père chrétien lui a dit, mais avant que je meure, sachez que hier soir, j'ai vu votre prophète, j'ai rêvé de votre prophète. Il me disait, toi chrétien, sois le bienvenu au paradis. Et alors, au réveil, je me suis posé la question, pourquoi le prophète Mohammed et pas un autre prophète? Parce que je suis chrétien, je ne suis pas musulman. À ce moment-là, maintenant que je vais mourir, j'ai compris que votre prophète est le dernier prophète des religions après Jésus et Moïse. Et je préfère partir musulman. Donc à ce moment-là, il a prononcé la shahada et il a été décapité. Donc en fait, pour vous dire que cette histoire m'a beaucoup émue. Franchement, je l'ai trouvée dans mes lectures, mais j'ai bien retenu l'histoire. J'ai pas encore, il faut que je vous donne la référence la prochaine fois. C'est une histoire qui montre très bien l'ampleur, la gravité de l'injustice qui a été subie par l'imam Hussein. Alors en fait, l'imam Hussein, c'est un être, comme je vous dis, le symbole de la personne juste qui a été sacrifiée par un tyran. Et l'imam Hussein doit avoir sa place dans l'histoire, comme Gandhi, comme Nelson Mandela. C'est un homme qui a défendu des valeurs très modernes, les valeurs de la justice, les valeurs de la révolte contre l'injustice, l'idée de ne pas accepter l'humiliation, ne pas accepter l'élimination, ne pas accepter le mépris. Et à l'occasion de cette fête qui est à la fois un jour de joie, parce que c'est le jour de la mort de Pharaon et la victoire de Moïse sur la tyrannie de Pharaon. Et Ashura, c'est un jour de deuil, parce que c'est la mort injuste de l'imam Hussein. Et c'est le jour aussi où les musulmans vont se diviser en deux camps, les sunnites et les chiites. Et malheureusement, cette division demeure encore. Et je pense que le bon sens et la meilleure solution, c'est le bon sens. Tout le monde est musulman, ni sunnite ni chiite. Tout le monde est musulman.